Qu'est-ce qu'il passerait si vous pratiquez le français tous les jours? Chaque jour 15 minutes? Alors, vous allez parler français très bien. Finalement, vous allez comprendre le français grâce à votre détermination et discipline. Bienvenue à notre chaîne de YouTube Français para todo el mundo. Oui, français pour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez écouter une histoire courte divisée en trois parties. Première partie, vous devez écouter attentivement sans sous-titres. Deuxième partie, vous devez écouter et lire avec les sous-titres en français. Et troisième partie, vous devez écouter et comprendre l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol. On y va! Première partie, écoutez attentivement. Écoutez la prononciation et associez. No olvides compartir y darle like. Suscríbete, Francés para todo el mundo. On y va. L'histoire de Léo. Léo a 25 ans et mène une vie passionnante. Il est pilote d'hélicoptère dans une compagnie aérienne. Chaque jour, il vole vers des beaux endroits et admire les paysages depuis les airs. Léo adore son travail car il peut découvrir de nouveaux lieux à chaque mission. Quand Léo n'est pas au travail, il aime beaucoup apprendre le français. Il trouve cette langue très belle et il veut pouvoir la parler couramment. Tous les soirs, Léo regarde des émissions en français et lit des livres simples dans cette langue. Il pratique aussi le français avec ses amis qui l'aident à progresser. Le week-end, Léo fait souvent de la randonnée dans la nature. Qu'est-ce qu'il fait Léo le week-end? Il fait souvent de la randonnée dans la nature. Il aime marcher dans les forêts et admirer les fleurs et les oiseaux. Qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime marcher et admirer les fleurs et les oiseaux. Il aime la nature. C'est un moment de détente parfait pour lui après une semaine de travail intense. Léo mène vraiment une vie passionnante et enrichissante. Une vie comment? Passionnante et enrichissante. Il adore son travail de pilote et apprendre le français est une de ses plus grandes passions. Oui, apprendre le français c'est une passion pour Léo. C'est un homme curieux et aventureux qui profite pleinement de la vie. Merci beaucoup. Écoutez l'histoire. Deuxième partie. Écoutez l'histoire avec les sous-titres en français. Lisez l'histoire. Si deseas recibir clases personalizadas, contáctanos y consulta nuestros valores. L'histoire de Léo. Léo a 25 ans et mène une vie passionnante. Il est pilote d'hélicoptère dans une compagnie aérienne. Chaque jour, il vole vers des beaux endroits et admire les paysages depuis les airs. Léo adore son travail car il peut découvrir de nouveaux lieux à chaque mission. Quand Léo n'est pas au travail, il aime beaucoup apprendre le français. Il trouve cette langue très belle et il veut pouvoir la parler couramment. Tous les soirs, Léo regarde des émissions en français et lit des livres simples dans cette langue. Il pratique aussi le français avec ses amis qui l'aident à progresser. Le week-end,
Léo fait souvent de la randonnée dans la nature. Qu'est-ce qu'il fait Léo le week-end? Il fait souvent de la randonnée dans la nature. Il aime marcher dans les forêts et admirer les fleurs et les oiseaux. Qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime marcher et admirer les fleurs et les oiseaux. Il aime la nature. C'est un moment de détente parfait pour lui après une semaine de travail intense. Léo mène vraiment une vie passionnante et enrichissante. Une vie comment ? Passionnante et enrichissante. Il adore son travail de pilote et apprendre le français est une de ses plus grandes passions. Oui, apprendre le français, c'est une passion pour Léo. C'est un homme curieux et aventureux qui profite pleinement de la vie. Merci beaucoup. Troisième partie. Écoutez l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol. No olvides compartir y darle like. Suscríbete, francés para todo el mundo. On y va. L'histoire de Léo. Léo a 25 ans et mène une vie passionnante. Il est pilote d'hélicoptère dans une compagnie aérienne. Chaque jour, il vole vers de beaux endroits et admire les paysages depuis les airs. Léo adore son travail car il peut découvrir de nouveaux lieux à chaque mission. Quand Léo n'est pas au travail, il aime beaucoup apprendre le français. Il trouve cette langue très belle et il veut pouvoir la parler couramment. Tous les soirs, Léo regarde des émissions en français et lit des livres simples dans cette langue. Il pratique aussi le français avec ses amis qui l'aident à progresser. Le week-end, Léo fait souvent de la randonnée dans la nature. Qu'est-ce qu'il fait Léo le week-end? Il fait souvent de la randonnée dans la nature. Il aime marcher dans les forêts et admirer les fleurs et les oiseaux. Qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime marcher et admirer les fleurs et les oiseaux. Il aime la nature. C'est un moment de détente parfait pour lui après une semaine de travail intense. Léo mène vraiment une vie passionnante et enrichissante. Une vie comment ? Passionnante et enrichissante. Il adore son travail de pilote et apprendre le français est une de ses plus grandes passions. Oui, apprendre le français, c'est une passion pour Léo. C'est un homme curieux et aventureux qui profite pleinement de la vie. Merci beaucoup.